joue pas. C'est, bah, on l'a travaillé un peu à l'entraînement, des coups de pied arrêtés, parce qu'on sait que sur des genres de matchs comme ça, en plus contre une équipe comme Bastia qui lâche rien, ça va jouer sur des détails, on en avait parlé. Donc à l'entraînement, on s'est vraiment prêté au jeu, un peu tout le monde. Donc c'est vrai que ce soir, ça nous réussit. Donc le plus important, c'est les 3 points, donc tant mieux. Plus jeune, tu avais l'habitude de tirer les coups francs ? Ouais, j'avais l'habitude de tirer les coups francs. Dans les équipes en formation, je tirais souvent, et aussi en équipe de France avant, c'est vrai que j'ai tiré souvent les coups francs. Et là, j'ai senti, on était avec Ludo, je lui ai dit que j'ai senti, et il l'a laissé. Voilà. Ça les a perturbés, tu penses, justement, que Ludo soit à côté ? Oui, ça. Gros, attendre un tir de... Oui, ça les a perturbés, surtout que Landreau connaît bien Ludo et on sait que Ludo il a une qualité vraiment de frappe intéressante. Donc le fait de mettre 2 joueurs, ça peut perturber le gardien et c'est ce qui s'est passé. Mais aussi, on a mis aussi 2-3 joueurs dans le mur adverse pour essayer de masquer le départ du ballon. C'était le but, donc tant mieux. T'as fait le choix tout de suite de le mettre de ce côté ? Oui, j'ai fait le choix de suite parce que je sais que. On en avait parlé il y a 2-3 années avec Ulrich Ramé qui me disait que les coups francs placés à cette hauteur-là et par-dessus le mur, il y avait 90% de chances qu'elle rentre. Donc voilà, j'ai choisi ce côté parce que je sais que côté gardien, Landreau anticipe bien. Donc voilà. Après, on a vu 2 Bordeaux. Ouais, la première mi-temps était bonne. On savait que ce match, il fallait vraiment à tout prix le gagner. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus laborieux. On avait peut-être peur de prendre ce but, on avait une appréhension un peu, mais le plus important a été fait, c'était vraiment les 3 points. On en avait parlé toute la semaine, on avait dit qu'il fallait gagner à tout prix et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est bien. Tu nous disais l'an dernier, en début de saison, ce que je veux cette année, c'est être efficace. Cette année, c'est vraiment ça. Ouais, j'essaie de faire ce qu'il faut pour aider l'équipe, parce que je pense que le plus important, c'est l'équipe. Et on reste vraiment sur un bon match à Toulouse, malgré qu'on était à 10, on a été solide et il fallait vraiment, entre guillemets, récompenser les coéquipiers ce soir parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Donc il fallait vraiment gagner et prendre les 3 points pour avancer dans le championnat parce qu'on sait que les points qu'on perd maintenant, on ne les rattrapera jamais en fin de saison et faut le faire maintenant parce que c'était très important, surtout quand on était à domicile. Sur un plan plus personnel, Tu penses vraiment plus au but, à la passe décisive ? Non, je pense pas ça. Je pense vraiment à servir l'équipe du mieux que je pourrais. Après, peu importe qui marque, peu importe qui fait la passe décisive, du moment qu'on gagne, moi ça me va. Donc cette année, je me suis pas fixé d'objectif personnel. C'est juste, voilà, le plus important, c'est l'équipe. Donc je me mets au service.